iPhone 5S. 5S, alors, contrôleur tactile, il est là. D'accord. Donc, on va essayer de. iPhone 5S. Voilà, donc j'ai tout vu. On va juste poser le tapis, hein. Voilà, donc notre tapis, c'est celui-là. Alors la propreté, c'est important pour tout lycée. Tout lycée. Lycée demande des propretés irréprochables. Il faut pas que ça soit ça. Donc voilà. Pour la caméra, elle n'est pas encore stable. Voilà. Alors, on va le mettre ici. On va l'enlever. On va le mettre. On va le mettre ici, comme on dit. Pas vraiment des billets, hein, donc c'est juste une sorte de pâte. Elle a de l'étain, c'est des micro, des nano billets. Voilà, donc c'est propre. Elles sont pas bien. Donc voilà, là. Nettoyage, comme d'habitude, c'est important.
Alors, ce téléphone, c'est une catastrophe. J'ai des problèmes dessus. Éclairage, rétroéclairage, bobine, diode, contrôleur LCD, contrôleur tactile, pilote tactile. Donc là, il est prêt. Si on voit les billes, voilà, elles sont bien. On voit chez eux. On va essayer de le retirer. Mais il faut le retirer. Si tout va bien, on fera des vidéos avec des caméras multiples, avec 2-3 caméras. Voilà, donc c'est OK. Inch'Allah. Bon. Après, bon, là, il faut que je regarde comment il est notre l'emplacement du 5F contrôleur tactile. Donc, le combiner le A1. Le A1 4.0. Il est là. Le tiers point, un point, il est là. Donc on suit dans le schéma d'origine de cet iPhone. L'emplacement d'origine du contrôleur. Contrôleur, à mon avis, c'est un pilote parce que le contrôleur, à mon avis, c'est celui-ci. Oui, c'est le TI-49A. La chance sur le 5, le 6S, le 6S plus, il n'y a plus ce problème de tactile. Pourquoi? Parce que tous leurs contrôleurs, le tactile, il est sur l'écran lumineux. Donc, le 6S, 6S plus, c'est parmi les meilleurs des appareils sans iPhone. Voilà, donc rhombillage, on va le chauffer à une certaine température jusqu'à où il va bouger. Dès qu'il bouge, il prend son emplacement. Donc chaque nuit, elle est positionnée et soudée. Voilà, on a fait un test du toucher pour voir s'il est bien. Voilà, donc il est OK. Donc, moi, ce que j'ai fait sur ce téléphone, le contrôleur d'éclairage, la diode, la bobine, contrôleur LCD, le contrôleur image, a été refait, contrôleur tactile, contrôleur tactile, pilote tactile, fait. Donc, ce téléphone, on a fait tout. On a refait tout. On va faire le test pour voir si ça marche. Donc, bon. Alors, je vais vous présenter mon nouveau microscope en OnStar HDMI.
Il est très bien pour travailler à une grande hauteur, une bonne hauteur de travail. Voilà. Donc, l'écran, ça va être un peu plus grand bientôt. Voilà. Le microscope, il travaille bien, il est formidable pour mon Star avec un écran petit. Voilà. Donc, le tactile, ça marche pas. Normal, parce que je dois oublier l'autre tactile contrôleur. Normalement, ça devrait être rentré dans l'ordre. Voilà, bah écoutez, merci et merci pour les commentaires de bienvenue. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.